Allez, c'est parti tout le monde. Je continue ma précédente vidéo. Là, j'ai pas fait de pause, rien du tout. Juste vu si ça avait pas bugué. Normalement, mon autre vidéo est bonne. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est parti. Je recommence. Enfin, je continue. Je vais essayer d'avoir ce putain dernier boss là. Que je galère comme pas possible. Si vous avez pas suivi la première vidéo et que. Bon, et que vous voulez prendre directement et celle-ci, je sais pas, on sait jamais. Bah voilà, je suis contre un boss de. Oh là là, mais là j'arrive même pas. Je suis contre un boss en fait de Give Up Robot 2. Et. Je crois bien que c'est le dernier parce que c'est le 60e niveau, je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et je galère, mais comme un dingue! C'est un truc de fou! C'est 1h du matin là! Et au bout d'un moment, il va falloir que j'arrête. Donc, de toute façon, ce sera soit j'abandonne le défi que m'a lancé, je le rappelle, un certain Only Human. Et soit ben, je le réussis. Forcément, j'aimerais bien le réussir. Et là, vu comme c'est parti, c'est bien trop chaud, c'est bien trop chaud. Comme vous pouvez le voir, là, c'est... Il y a déjà un problème, en fait, pour... Pour en fait diriger le ballon dirigeable, une sorte de ballon dirigeable en fait, et c'est insoutenable. Il faut le toucher 4 fois, c'est insoutenable ce truc, c'est insoutenable. On a du mal à le diriger, et j'ai du mal à le digérer aussi quand même. Oh là là, allez, remonte là. Et j'essaie de tous les avoir parce que franchement c'est ce qu'il faut. Hein. Je peux me permettre d'en louper, je pense. Et comme je disais dans la première vidéo, il me semble qu'il y a vraiment une technique à avoir. Et que je ne l'ai pas cette technique, malheureusement. Pas mal ça, pas mal, pas mal. Continue. Lui, il faudrait que je l'aie. Non ! Alors ça, c'est le problème aussi, c'est que voilà, quand je me balance... Balance. En fait, des fois, je veux me balancer, il se balance pas assez. Du coup, je me balance encore plus et je me fais avoir par la bombe, quoi. Oh là là, j'ai esquivé, je sais pas comment je fais. Des fois, je fais vraiment n'importe quoi, mais j'y arrive. Allez, là, vas-y, vas-y. Faut vraiment revenir vers lui, en fait, pour qu'il aille dans la direction voulue. Tiens, j'ai peut-être... J'avais déjà suggéré ça dans la première vidéo. Mais là, je me dis que en exploitant un peu mieux... Non. Bon, je sais pas. Non, je vais quand même réessayer. C'est assez difficile à expliquer, en fait, ce que je suis en train de faire, mais... Bon, ça va, je suis, on va dire, un peu moins tendu qu'à la première vidéo, parce qu'à la première vidéo, j'atteignais les 2 heures, et j'avais vraiment... Et j'avais vraiment peur que ça fasse trop long. Alors que là, c'est bon, là, on sert qu'un... Enfin, on sert qu'un quai, non, je ne suis pas qu'un quai du tout, mais je veux dire, on commence une nouvelle vidéo, et du coup, bah, je peux me permettre de traîner un petit peu, quand même, parce que ce serait con que je le finisse en 5 minutes, ça ferait une vidéo que de 5 minutes. C'est dommage, en fait, parce que j'aurais bien aimé la finir en... Bah, finir en une seule vidéo. Je suis en train de me dire que je pourrais faire le montage, mais maintenant que j'ai dit tout ça... Non, et puis ce serait tricher. Non, je vais pas le faire. Parce que je me dis, j'aurais pu faire le montage et continuer la vidéo, mais bon, 2 heures. 2 heures, c'est déjà énorme en temps de vidéo. Donc, non, je vais pas vous infliger ça, c'est pas possible. Ouais, bah, je pensais le diriger, mais en revenant vers lui, mais je me rends compte que non. En fait, je crois que c'est bel et bien le balancement. Je vois que ça. C'est pas mal. Plus qu'un. Eh, plus qu'un. Non. Oh putain. Excusez-moi. Je m'emporte. Non mais là j'ai... Eh, plus qu'un. J'en ai fait plus qu'un. Oh. Non, tu vas pas toucher toi, voilà. Ah ça va là. Ça va, je commence à revenir ici. À venir ici à ses... Ah, ça se dépend des fois en fait. Hein. Allez, je l'ai pas eu et là je vais me faire avoir.
c'est chaud, hein, c'est chaud, c'est chaud. En fait, j'aurais vraiment pas pensé passer vraiment autant de temps sur ce monstre-là. Là, c'est... Là, si c'est vraiment le dernier monstre... Si c'est vraiment le dernier monstre, le temps que vous voyez dans la vidéo, là, je sais pas, c'est peut-être 10 minutes, c'est peut-être 30 minutes, c'est peut-être 1 heure... Et bah, le temps que vous voyez là, bah, c'est tout le temps du boss, en fait, voilà. Voilà, je vous l'annonce, je vais passer tout ce temps-là sur le boss. Enfin, peut-être qu'en fait, je le finis rapidement, je sais pas. Seul vous le savez à ce moment-là. Je ne prédis pas le futur. Mais ça m'embête. C'est dommage que j'y passe autant de temps. Et peut-être que c'est pas le dernier... Et là, non. Je dis non. Parce qu'au bout d'un moment, faut bien que je m'arrête. Au bout d'un moment, faudrait bien que je dise, bah voilà, j'ai perdu le défi. Hein. Au bout d'un moment, faudrait bien que je dise ça, quoi. Enfin, si je réussis pas, bien sûr. Oh putain, alors là, je sais pas comment je fais pour esquiver tout ça, mais je réussis. Putain, là, oh non! Mais de toute façon, là, ça aurait été impossible. Enfin, si, mais... J'étais pas assez vers l'autre. En fait, voilà, faut que je fasse ça, en fait. Faut que je passe. Faut que je passe comme ça, voilà. Faut que je passe. Ah non, 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 là, je l'aurais pas. Ah si, je l'ai eu. Non! Oh, mais à chaque fois, en fait, il y en a toujours... Il y en a toujours qui sont... Enfin, faut vraiment tout voir. C'est incroyable. Oh lolo, mais là, je fais n'importe quoi. D'ailleurs, mais oui, là, je pense quand même avoir une technique. C'est comme je fais depuis le début, c'est-à-dire que je passe. J'attends qu'il arrive, voilà. Et je fais ça pour tout. Voilà. Non, mais là, non. Faut pas que je me balance autant. Ah là là. Oh, mais non. Ah non, mais c'est vraiment chaud. Hein. Je sais pas s'il y en a, là, en regardant la vidéo, qui se disent... Mais c'est facile. Mais non. Non, moi, je trouve pas ça facile, non. Non. Peut-être que vous avez l'habitude, ou que vous êtes un hardcore gamer, ou alors que vous êtes super bon. Mais désolé, hein, moi je suis pas bon apparemment. Oh, et puis cette fusée qui me fait chier là. Ah ouais, elle me fait vraiment chier. Et là, il s'est pas balancé. Faut vraiment que je me balance. Ah non. Wow! Bon, allez là. Ça serait bien qu'il descende un peu plus vite là. Bon, j'y vais comme ça, on verra. Et là, je l'ai pas eu. C'est génial. Allez là, pitié. Je veux y arriver. Là, normalement, je devrais déjà me coucher. Être couché. C'est moi qui m'impose ça, mais... Enfin, non, pas vraiment. Parce que J'ai pas cours demain, mais... Je dois me lever quand même, quoi. Enfin, j'ai... Je suis en plein concours de... C'est pas un vrai concours, mais... Un racontage de life, là, un peu, mais... C'est un truc, on fait les horaires qu'on veut, quoi, mais... Faut quand même que je sois là, quoi. J'ai pas envie d'arriver... En mode zombie demain. C'est peut-être ce qui va se passer. Oh là là, mais là je me fais avoir n'importe comment. En fait, là, il faut pas trop que je détende le... Putain, mais c'est pas vrai. Pas trop que je détende la corde, parce que sinon il y a la fusée du dessous qui se réveille. Et voilà. Ça c'est pas mal. Bon, allez là quand tu veux. Je passe de l'autre côté. Oh non! J'aurais dû détendre. Ah oui, mais il y a la fusée en plus qui risque de me faire chier. Oh, oh là 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 là, mais c'est un truc de dingue. Et là si je détends. Ouais, si ça va, il détend vite quand même. Voilà. Et là si je... Et là.
Oh putain, putain, putain. Voilà, hop, je t'étends. Je viens là. Oh non. Eh mais, pourtant je suis persuadé que c'est ça presque. Hein. Je t'étends, comme ça, il vient là. Non mais là je me fais avoir comme une merde. Hein. Là c'est plus possible. Hein. Je peux pas faire ça. Franchement, là, ce serait bête qu'il y ait d'autres niveaux après. Là, franchement, on a déjà atteint le... Oh, je vais me faire avoir. On a atteint le summum, là. J'arrive même plus à faire ça. Non! Oh là 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 là, mais. J'ai l'impression qu'il faut faire vraiment, mais vraiment un truc précis quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas droit à l'erreur. C'est comme ça. C'est comme ça que les programmeurs veulent qu'on fasse, et pas autrement. C'est juste l'impression, hein. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je suis sûr que c'est pas ça. Et bien sûr qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver. Mais. Mais clairement, c'est pas facile. Putain. Même là, j'y arrive plus maintenant. Oh là là, mais regardez-moi ça. Mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis mort, je suis... En plus, là, je réveille la fusée. Mais non, mais je devrais pas... Mais comment je faisais au début? Là, je l'amenais. Là, je détendais. Oui, ben voilà. Oh non, mais elle me saoule. Elle apparaît trop vite. Elle apparaît trop vite. Oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et même, et là, ce que je fais, mais c'est pas la bonne technique, ça sert à rien. Oh là là. Non. J'évite de parler pour éviter de m'énerver, en fait. Parce que je trouve ça désagréable, quelqu'un qui râle tout le temps. C'est ce que je fais. Ce que je fais dans cette vidéo. Ça me désole. Allez, allez. Non, il y a l'autre en dessous. Ouh putain. Oh mais non. Alors là de toute façon je me serais fait avoir soit par le truc violet soit par la fusée. Donc là ça aurait été le combo magnifique. Oh mais qu'est-ce que... Et là franchement je suis parti mais à une vitesse fulgurante à droite alors que j'avais mis mais qu'un tout petit à coup quoi. Peut-être parce que j'étais vraiment détendu au niveau du grappin. Mais... Oh là là mais je tente des trucs mais de dingue. Allez! Oh oui! Oh non! Oh. Je sais plus comment je m'appelle. Je sais plus ce qui se passe. Je n'ai plus aucune notion du temps. Je n'ai plus aucune notion de ma douleur physique. Je n'ai plus aucune notion de ma douleur mentale. Je n'ai plus aucune notion de mes doigts. Parcourant le clavier sur les touches qu'il faut. Je sais plus, je suis mort, je... Voilà. Oh là là, je fais n'importe quoi. Je vais m'endormir sur place, vous me réveillez quand j'aurai terminé? Non, parce que c'est bon, hein. maintenant ça c'est bon, je peux le faire les yeux fermés. Hein.
quand vous voyez que j'arrive même plus à faire celui-là presque. Regardez, regardez, regardez. Regardez comme je galère. Allez, mais non! Mais je l'ai pas eu, c'est fini maintenant. Mais non, mais c'est trop compliqué, mais c'est trop compliqué. Je pense que c'est soit on y arrive d'un coup, soit c'est fini quoi. Là je suis revenu, c'est pas mal. Oh! Calme. Hop là, là on y va. Voilà. C'est bien quand elle apparaît avant et que j'arrive à l'esquiver, comme ça au moins. Oh, j'ai vu qu'elle était pas venue, je me suis dit je vais y aller. Elle est venue au dernier moment. Jouer mais que... Enfin, c'est pas nouveau hein. Je joue comme une merde, comme une quiche, comme je sais pas ce que vous voulez, tant que c'est mangeable ça, enfin même dire la merde c'est pas mangeable. Oh là là. Je commence à dire n'importe quoi aussi hein. faut que j'arrête hein. Je fais ça mécaniquement sans réfléchir, je subis, je... C'est comme si je contrôlais pas ce que je faisais, voilà. Je regarde ce que je suis en train de faire. Allez, là, mais putain! Oh, pas mal ça. Bon là, faut pas que je me gourre là. Allez, mais non! Oh putain, j'y étais là! Oh non! Je vais mettre encore des plombes à refaire ce que je viens de faire là. Oh, je me fais avoir par ça. Putain, je suis mort. Allez, mais vas-y, mais... Oh là là. Je sais pas pourquoi je continue si je l'ai loupé, franchement. Ah d'accord, j'ai cru que c'était la fusée, mais non, non. C'est bien le truc violet qui m'a eu. Ce sera la libération quand j'aurai réussi, enfin si je réussis. De toute façon, si je réussis pas ce soir, je réessayerai un jour. Hein. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. C'est impossible. Là, je fais n'importe quoi. J'arrive même plus à avoir le premier. Et là, je tombe sans sauter. C'est génial. C'est génial. J'aime plus ce que je fais. Oh putain, mais c'est pas folichon tout ça. Ah non, je le savais. Je le savais. Je le savais. C'est horrible. Oh, j'avais complètement zappé en plus la fusée là. Ça, j'ai l'impression que je me débrouille un peu mieux, mais c'est toute qu'une impression.
elle aurait pas pu apparaître avant, hein. Parce que franchement, elle, c'est celle qui me fait le plus chier. Allez. Oh non, j'ai encore décalé. Désolé, c'est laquelle. C'est qu'en fait, je vais y arriver. Je touche le pavé. Non, je vais y arriver. Je touche le pavé. Attendez, je recadre comme il faut. Attendez, mais qu'est-ce que... Attendez, ça a complètement niqué mon truc, là. Putain. Même ça s'y met maintenant. Voilà, j'ai réussi. Voilà. Ouais, en fait, je touche le pavé. Faut que je replie mon pouce. Ah, mais là, je me sens moins bien, du coup. Ah. Non, s'il vous plaît. Ouais, je fais n'importe quoi, maintenant. Oh, je fais n'importe quoi, mais qu'est-ce que je fais? Ouais, je touchais le truc, mais maintenant, je suis dans une mauvaise position, là. J'ai besoin de... Bon, c'est pas grave. Ah, bon, c'est comme ça. Ça va, ça... Oh non, mais pourquoi il est remonté si haut? Ah oui, si, il a dû se faire avoir parlé. Et là, je vais me faire avoir. Non. Ça ne serait tardé. Et oui! Bravo, bravo. Wouhou. Là, c'est trop chaud. Allez. Ah ouais, non, je suis bien loin là, tiens. Non, bah là c'est fini. Voilà. Oh. L'autre qui s'est... Et là, j'ai même pas appuyé à gauche, hein. C'est juste qu'il s'est balancé à cause du truc, il s'est ramassé une fusée, et qui du coup, là... Qu'est-ce qu'elle fait là, déjà, elle? Oh non, mais... Nous ne sommes pas les seuls à diriger le ballon dirigeable. Les fusées le dirigent, et du coup, non, après, on est balancé à cause... À cause de ça... Comme ça, c'est vraiment de la chance, quoi. C'est un moment, voilà. Bah, j'ai de la chance que la fusée soit pas là. Mais... Oh non! Qu'est-ce que je crève toujours presque au même endroit. Enfin... Après, il m'en resterait plus qu'un hein, si je l'ai. Oh putain. Génial! Bon, sinon ça va, vous allez bien? Ça va, tranquille. Je sais pas quoi dire. Si vous voulez. Voilà, en fait, il faudrait que j'attende. J'ai manqué de me faire avoir. Allez, balance. Trop tard. Bon, alors là, je vais essayer de me faire avoir. Enfin, d'avoir les deux, mais alors là, ça va être chaud. Non, mais laisse tomber. Enfin, déjà, j'arrive même pas à en avoir un quand j'arrive là-bas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En plus, je veux dire, voilà, plus on joue comme une merde, enfin, plus on se rate, plus on essaye, plus on se joue. Parce que, voilà, on a la tension, on veut à tout prix y arriver, et du coup, bah voilà, on fait des conneries monumentales. Allez, viens là. Allez, là. Putain, je l'ai pas eu. Bon, je vais tenter un truc. Je tombe. Ah.
c'est pas ça que je voulais faire. Vous comprenez, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux faire, d'accord? C'est trop difficile à comprendre. En fait, vaut mieux que je passe par là. Et là, je me prends l'autre. Oh, mais je les déteste, ces fusées. Je les déteste. C'est incroyable que je les déteste. Dingue, en fait je vais devenir dingue. Peut-être que je le suis déjà, non? Dites-moi, je suis dingue? Parce que là je sais plus en fait, je non, mais... Allez, arrête de te prendre des trucs. Oh, mais qu'est-ce qu'il... Ah, mais là, des fois, ils remontent beaucoup trop. Faut que je me calme. Voilà. Je vais tenter de me calmer. Voilà. Même si je crève, c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Ok? Tout va bien. Hein, bon. Bah non, ça a pas marché. Non, je continue. Tout va bien. Voilà. Donc là, je m'accroche. Hein, je vais passer derrière. Tout va bien. Maintenant, voilà. La fusée apparaît, je l'esquive. Ensuite, là, je passe très très vite. Je dirige. Oh, je descends un petit peu. Voilà. Histoire que j'en monte pas trop pour pas avoir un truc violet. Ensuite, là, on vient là. On se dirige quand même pas mal. On se balance. On remonte. On le fait avoir. Voilà. Ensuite, on passe en dessous. On va se faire avoir. On arrive vers le dernier. Hein. Oui, parce que c'est déjà le dernier. Et on le tue. Voilà. C'est exactement comme ça qu'il fallait que je fasse. Vous voyez, quand on se calme un petit peu... Quand on est zen, qu'on prend la situation calmement. Et là, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il n'explose pas? Ah, c'est bon. Voilà, et ben on voit que tout va tout de suite mieux. Voilà. Je suis calme, je suis serein, je ne me suis pas énervé pour la fin. Voilà, tout va très bien. Et je l'ai eu. Je l'ai eu, ce putain de boss! Oh, ça fait du bien! Dites-moi pas que ça continue, s'il vous plaît. Donc là, je vois une clé. Ah tiens, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi ça? Non! Bon, c'est parti. On continue. Youhou! Je m'éclate comme un dingue. Ah non, mais c'est... C'est quoi? C'est une sorte de crédit, non? Non, mais il faudrait que tu sautes, hein, quand même. Bon. Bon, non, mais là, je fais n'importe quoi. Hein. Ok, non. Je vais arrêter les conneries. Voilà, tranquille. Hop là, sur la plaque. N'oublie pas. Oh, tiens, je me suis gouré. Bon, c'est pas grave, on continue. Mais je crois que j'ai vu la plaque déjà, non? J'ai rêvé. Oh! Oh, tiens. Vous pariez combien que là ils vont vraiment tout mettre, quoi? Si tout à l'heure c'était pas la plaque de la fin, vous pariez combien qu'ils vont mettre déjà avec les plaques inverses, mais ils vont mettre les jetpacks. Oh oui, ça je le sens bien. Oh, ça va être un truc fort comme ça. Mais pourquoi? Alors, ils sautent pas. Ils sautent vraiment pas, là je vous assure. Je crois pas que ce soit moi qui... Non, c'est pas la plaque de la fin. Ça, donc, en fait, j'avais tort, c'était pas fini. Il saute pas. Concentré.
Pourquoi t'as pas fait? Non mais là en fait faut gérer entre le saut et le grappin. Mais c'est ingérable. Surtout avec les plaques qui sont inverses. Parce que si... Ah oui, si vous avez vu que cette vidéo, vous pouvez pas savoir. Mais ça là, ça c'est inverse. Il faut faire la touche. La touche inverse pour aller à droite, il faut appuyer à gauche. Et quand on slash, il faut rappuyer à droite, parce que quand on slash, bah, ça désinverse le truc. Ah mais d'accord, j'ai compris. C'est que je me gourde de touche. C'est que je saute au lieu de faire le grappin. Là pourtant je saute. Hein. C'est ce petit... Ah ouais, c'est ça en fait. C'est le temps de latence qu'il y a à chaque fois. Ouais, c'est ça. Hein. Il y est pour... Je me suis encore gouré. Je me cours de touche. Ouais, c'est un petit temps de latence qui est toujours là. Même pour ça. Oh, là, je passe par-dessus. T'as pourtant là, franchement, j'ai vraiment pas l'impression que c'est difficile ce que je fais là. Et je me plante, mais regardez ça. Mais en même temps, là, je me plante à cause du temps de latence. Quand il saute pas, c'est ça. Faut que j'arrête. Dès que je suis en l'air, il faut que je pense grappin. Il faut pas que je pense saut. Vraiment. Oh là, là, je me suis gouré dans les touches. Ça va. Il y a de l'arrangement. Et merde. Oh, il saute pas dessus. Putain, mais moi je voulais que ce soit fini, moi. Au secours. Ah, je me mélange, putain. J'arrête pas de me mélanger, mais c'est horrible, hein. C'est vraiment horrible. Ça c'est horrible. Oh putain, je me mélange dans les touches. Faut que je pense grappin. Pense grappin. Mais je vais de l'autre côté. Oh là là. Non, mais en plus j'aime pas ça, je suis pas assez intelligent pour ça. Oh non. Oh, qu'est-ce que... Encore la même chose. Non, c'est bon, on s'étonne plus. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'il fait là? Il avance tout seul. Putain, je comprends rien. Ah, si ça pouvait être... De toute façon, j'allais dire si ça pouvait être que des plaques comme ça, mais non, je me cours quand même. La même chose. Tout est... Non, c'est pas la peine. Je suis trop con pour faire ça en fait. Oh. Vous devez croire que je fais exprès ou que je suis vraiment... Non mais c'est réellement difficile. Oh mais non! Oh putain, mais c'est tombé. Mais là, je sais même plus ce que je dois faire. Oh putain, j'ai réussi mais je sais pas comment. Oh mais je savais pas que c'était de l'autre côté là, sinon c'est facile à faire ça, je pense. J'ai réussi sans faire exprès tout à l'heure. Oh putain! Bon allez, il faut que je me concentre. Je saute. Mais... Oh. Je me
tambour de touche. Je pense grappin et maintenant du coup je pense plus que grappin. En fait je vous explique, c'est que je... Quand je suis en l'air et que je dois refaire le grappin, là, je pense pas grappin, je fais le saut du grappin. Mais si vous saviez, mais si je prenais le temps de vous expliquer, à moins que vous ayez compris, mais à quel point c'est dur une fois que vous lâchez le truc qui vous fait aller à l'inverse, il faut rechanger là. Non. Mais non! Oh mais non! Mais faut être... En fait, il faut bien... Bon allez. Vous savez quoi? On va refaire la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire que... On va se calmer. Je suis pas encore prêt à me calmer là. Enfin, je veux dire, je maîtrise pas encore assez le... Enfin, je sais pas comment dire. J'étais presque. Bon allez, calmons-nous. Tout va bien. Pas de stress. K.S. Putain, j'ai pas fait grappin. Alors là, je connais plus les touches. Ah si. D'accord, j'ai perdu. Voilà. Non, Je me suis vu me gourer. Ah, putain. Bon, allez, calme. Tout va bien. Non, attends. J'ai mon casque qui va pas. Attendez, 2 secondes. Il ne tient pas la tête. Voilà. Allez, c'est bon, je suis prêt. Tchilalilala. On va chanter un petit peu. On chante n'importe quoi, mais ça marche pas. On va chanter la musique. Non, ça va pas. Génial. Non, c'est juste qu'il faut se calmer. Voilà, on fait plaque en plaque, tout va bien. Hop. Allez, là c'est bien, là c'est bien. Non, je me suis couru. Allez. Non, mais putain de merde. Mais là, c'est obligé que ce soit le dernier. Là. Oh non, j'ai été trop. Oh là là, et après vous avez vu ce qu'il y a, il y a un espèce de truc où j'en ai marre parce qu'il y a des trucs de. Il y a une latence et tout, je vais. Dans les gauches, droites, c'est insoutenable. C'est infaisable. Oh là là. Bah putain, j'aurais jamais cru que passer autant de temps sur ça, franchement. Franchement, je vais vous dire, je suis parti confiant. Je suis vraiment parti confiant pour ce défi. Je me disais, bon, allez, si c'est comme le premier, ça va. On va faire des niveaux tranquillou. Parfois, j'y arriverai pas, ok, c'est pas grave. Là, je me rends compte que non, c'est pas possible. Ça. Là, il y a des boss, là, il y a des trucs qui ont été beaucoup plus recherchés, qui sont exploités.
comme des dingues là-dedans. En plus, on est pressé par le temps, par un gars qui nous poursuit. Si j'arrivais à ne pas faire le saut et à faire le grappin plutôt. Vous allez voir que si jamais il y a un jetpack un jour, je vais faire le grappin. Au lieu de faire ce qu'il faut. Oh c'est... Non, non, me dites pas que c'était des éclairs après. Oh non. Qu'est-ce qui m'attend encore après? Il faudrait que je fasse ça bien, mais... Ça y est. Oh non ! J'ai pas assez attendu. Mais des fois, quand j'attends trop, ça va pas non plus. En fait, voilà, faudrait que je passe... Putain ! Faudrait que je passe ces trucs-là, en changeant de direction, comme j'ai passé là, les deux dernières fois. Ça y est, je commence à prendre un peu le coup de main. Oh, putain, mais je fais n'importe quoi. En plus, c'est le passage le plus facile et j'y arrive pas. Ça y est, ça recommence. Même là, je pensais pas faire une vidéo aussi longue hein, pour la deuxième vidéo. Ah non, 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 je fais n'importe quoi. Faut que je me reconcentre. Voilà. Et après c'est des éclairs. Après c'est bien des éclairs. Sauf que je vois rien. J'ai rien vu de ce qu'il y avait après quoi. À moins que faut juste passer des éclairs et après c'est la fin. C'est vraiment faire prendre un énorme élan en fait. Et arriver sur la plaque finale. Oh non. Bon allez. Pourtant en fait ça va, je commence à y arriver maintenant, à trouver ça un peu simple quand même. Allez. Ah, j'ai hésité trop longtemps. Je sais pas si en étant avec une manette ça irait mieux. Je sais pas. En même temps pour celui-là, je crois pas que ce soit possible. Là je fais n'importe quoi. Alors que j'arrivais super bien tout à l'heure. Hein. Là les dernières fois que j'ai essayé. Oh mais non. Oh quand t'arrives au bout, ils auraient pu en rajouter encore un peu hein. Putain je fais n'importe quoi. Je calcule même plus ce que je fais. Putain alors là, après, faut vraiment pas arriver à... Attendez. C'est saoulant. Parce qu'en plus, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez. Mais votre cerveau ne veut pas le faire. Parce qu'il n'est pas habitué. Pour lui, à droite, c'est à droite. C'est pas aller à gauche. Pour lui, on lui demande un truc, il fait mais what the fuck, qu'est-ce que tu me dis là? Faut que j'aille à droite, faut pas que j'aille à gauche. C'est bon, t'es conscient là? Oh, mais putain. Allez. Oh, j'ai pas attendu. C'est toujours pareil, c'est voilà. Je me répète autant dans ce que je dis que dans ce que je fais, c'est génial. Oh.
Mais... Ah. Oh, mais attendez, mais je comprends pas là. C'est facile de faire ça pourtant. Pourquoi j'y arrive pas? J'ai un bug dans mon cerveau ou quoi? Là, je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Ça, et alors? Et c'est où la difficulté là? J'ai loupé! Non, mais non, mais non, mais vous avez vu ça? J'avais raison pour le jetpack, hein. Non, putain. Non, 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 faut pas que je me déconcentre. Non, mais non, mais... Je commence à y arriver, là. Mais non. Ah, ça y est, ça y est. Oh non, pas encore. Mais j'ai l'impression que ça y est, mon cerveau il commence à comprendre. Ça commence à être intuitif pour lui. Bon après, il faudrait pas que dans la vie de tous les jours, je commence à faire les choses à l'envers. C'est pas mal. J'arrive pas au truc le plus simple, quoi. Ah, ah, tiens, il a pas voulu cette fois. Il a pas voulu. Oh, j'ai pas envie cette fois, je vais faire la grève. Voilà. Ah, c'est pas facile. Oh, pas le moment de faire con, là. Il fallait pas tout utiliser. Moi j'ai tenté le tout pour le tout, hein. Je me suis dit bon, ça va peut-être finir après. Mais faut être complètement naïf si on croit que les développeurs allaient faire dans la facilité. Mais non, il faut que ce soit des fourbes, mais jusqu'au bout. Mais oui, mais sinon c'est pas marrant. Attendez. Non mais attends. Je crois que je les connais mal encore. Non mais là, j'y arrive plus. Oh, hé, au cerveau, tu remarches là. Cerveau, s'il te plaît. Bon là, non, il n'y a pas besoin de cerveau, là c'est mes doigts là. Mais je commence à plus à... Ah ouais, tiens. J'ai pas fait attention à ça, mais je commence à plus avoir de doigts en fait finalement. Mais non, pour le moment, ça va. Je suis sûr que je continue encore une heure là. Ça va être Tandini time. Oh putain de merde! Là encore, je crois qu'il y a une technique. Toute conne, hein. Toute conne. Pas besoin de chercher la mer à boire, mais. Mais. Voilà, je l'applique pas. Je sais que je pourrais essayer d'attendre. Mais après, le problème, c'est que ça me fait remonter trop haut. Et en remontant trop haut. Attendez. Et ben, c'est pas là ce que ça fait, ça me fait ralentir. Ou alors il faut que j'attende, ouais. Oh non! Oh mais non! Oh, faut faire gaffe de pas trop le prendre trop près aussi. Oh putain! Oh punaise! Oh là 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 là! Oh! Oh! Je me suis bourré. Eh, ça va faire une heure là, hein? Ça y est, mon cerveau il a compris là. Ah, j'ai pas fait... Ah si. Ah non. Putain. Ah si, ah non, ah si. Putain. Même moi je sais même plus ce qui m'arrive. Oh là là. Oh mais voilà, en fait, je remarque un truc assez marrant. Attendez. Oh, ouais, je remarque un truc, c'est marrant, c'est que tout à l'heure je gueulais, mais maintenant, mais je prends ça à la rigolade. Je suis passé au stade fou en fait. Il y a plusieurs phases. Au début, c'est concentration, déco. Merde, excusez-moi. On découvre le jeu. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, il a sauté tout seul. Ouais, au début, on découvre le jeu.
Après, on n'y arrive pas, on relativise. On relativise. Après, on voit qu'on n'arrive vraiment pas à des trucs. On se dit, mais oh, on commence à s'énerver. Et puis, il y a un moment où c'est bon là, c'est fait, c'est fini, on n'en peut plus. Alors, du coup... Ah, mais pourquoi j'arrive pas à le choper? Et du coup, après, bah, on est complètement fou, en fait. On commence à plus gueuler. Bon, ça arrive encore un peu, comme vous venez de l'entendre, mais voilà, pff, on s'en fout. On rigole. Ça devient marrant de s'éclater les doigts, de tomber. Je suis tombé, c'est drôle. C'est trop cool. Non, mais non. Ah, pour vous aussi, ça doit être drôle. Hein. Oh là 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 là. Non, c'est ironique, bien sûr. Mais... Voilà. Je te déteste. Me voilà qui commence à tutoyer les objets. C'est bien, c'est bien. Après la folitude, qu'est-ce que ça deviendra? Oh là là. C'est vrai, y a quoi après la phase de la folitude? La fatigue peut-être. La fatigue. Envie d'arrêter le trop plein quoi. Ouais. Non. Là j'aurais dû faire le grappin. J'ai réagi que après. Oh putain, putain, putain. Oh là là. Ah, j'avance, j'y arrive pas mal. Bon, alors ça, plus de problème presque. Oh, et tire-le ton grappin. Ah, bon bah là, non, là, il a pas voulu. En fait, c'est quand je réfléchis trop. Faut que je réfléchisse. Oh, mais j'attends pas assez. En fait, si, ça y est, je crois que j'ai compris la technique. Je vais tester. Tac. Hop, on attend encore. Non! Mais non! Mais non, 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 moi je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, non, on revient en arrière là. Allez. Mais là, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai l'impression que je prends de l'élan. Et puis en fait, il continue pas dans sa lancée. Merde, je fais n'importe quoi. Non mais là, c'est très bizarre là, ce qui arrive. Ouais, c'est... Je sais pas. Je m'y prends mal. Mais c'est quoi ça? Il lâche. Qu'est-ce qui se passe? Je suis maudit. On veut pas que je réussisse ce défi. Je le sais. Il y a une force maléfique qui m'empêche de le réussir. Non! On m'en empêche. Je sais pas qui. Ça va, ça je comprends. Mais voilà! Mais pourquoi? Mais pourquoi il... Qu'est-ce qu'il... Non, mais je comprends pas. Pourtant maintenant, ça y est, j'y arrive facilement au truc. Oula, j'ai failli. Et là... Mais qu'est-ce qu'il... Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris ce qui m'arrive. La barre sur laquelle je m'accroche se dirige vers la gauche. Et lorsque je m'accroche trop près du bord, sur la gauche, je suis décroché. Et oui, j'ai compris. J'ai compris, mesdames et messieurs. C'est ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. Moi je vais continuer à faire des vidéos jusqu'à ce que j'y arrive. Je m'en fous, je me couche à 6h du matin. Allez. Non,
Enfin, on n'y est pas encore, là. Voilà, faut bien que je m'accroche ici. Voilà. Ah non, là, c'était pas assez loin. Non, là, ça va, ça fait une heure. C'est bon, moi, je suis chaud. C'est 2h du matin, mais je suis chaud pour continuer, hein. Y a pas de souci. Tranquille. Allez. Ah non, j'ai hésité à le faire. J'aurais pas dû hésiter. Bon. J'arrive déjà mieux, c'est pas mal. Retour au calme là un petit peu. Hop là, t'as fait une gourée. Enfin moi j'ai fait une gourée. Hop là. Hop là. Ok. Hop. 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 Dernier coup de jetpack. En fait là il me fallait deux coups de jetpack. Donc en fait il faut que je n'en utilise qu'un à l'endroit où j'en utilise deux habituellement. Et là vous avez vu après ce qu'il y a? Vous avez vu ce qu'il y a? Il y a la clé. Mais le problème c'est que si jamais je ne suis pas assez haut pour l'atteindre, il faut encore que je réussisse à l'atteindre avec le grappin. Et oui les amis, ce n'est pas fini. Et là je peux pas t'atteindre de là? Non? Bon bah non, on peut toujours tenter. Non non, franchement même si on pourrait l'atteindre, ça me plairait pas parce que je veux réussir ça. Non non, ça va, j'y arrive mieux quand même. Ça c'est de la pure plateforme. Autant le monstre. Voilà. Autant le monstre tout à l'heure, c'était vraiment chiant. Alors là, il a pas sauté. C'était vraiment chiant parce que... parce qu'on savait pas trop ce qu'il fallait faire. Oh non, non, non. Je fais n'importe quoi. Enfin, je sais pas. C'était fouillon. Fouillis comme truc. Alors que là, vraiment, on sait. On sait ce qu'il faut faire. Et on sait très bien que si... si on n'y arrive pas. Voilà, comme ça. Et si on n'y arrive pas, bah, c'est de notre faute. Hein. Réellement. Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive même plus là. Oh non! Non, 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 je suis pas énervé, non, ça va. Non, ça va, tout va bien. Oh, je me prendrais bien un petit chocolat chaud, là, déjà, pour prendre mon petit déjeuner de demain matin, déjà. Voilà, comme ça, moi, ça sera fait. Je perdrai pas du temps là-dessus, vous croyez pas? Ah, putain. Et puis, oui, sinon, je sais pas, vous voulez parler de quoi? Je sais pas, la vie est belle, les oiseaux chantent, ouais, surtout à 2h du matin. Sinon, bah, écoute... que dire? Bah, Only, je vais t'étrangler, c'est tout, hein. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je vais t'étrangler, voilà. Je vais venir jusqu'à chez toi, mais même si t'habites super loin. Et puis ben, et puis je vais venir t'étrangler, voilà. Donc, prépare déjà le cercueil, prépare le testament. Je sais bien que c'est jeune pour toi, mais tu vois, dans ces moments-là, ben, il faut t'y préparer, je veux dire. Tu donnes un défi, ben voilà. Un défi comme celui-ci, ben voilà, ça... Il y a des conséquences à visualiser, tu vois. Et là, c'est pas possible, tu vois. Si t'as pas prévu ça... Voilà. Pauvre Only, ce qui te réserve. Oh là là, ce que je te réserve. Mais non, mais là, je suis obligé d'en... Je sais ce que je peux faire. Il faut vraiment que j'ai de l'élan en fait. C'est là en fait où tout se joue. C'est vraiment sur l'élan qu'on va avoir pour tenter de n'utiliser qu'une seule fois le jetpack. Ou alors je peux utiliser deux fois. Mais ce sera à la fin qu'il me faudra beaucoup plus
D'élan. Oh non, mais là, c'est saoulant, là. J'arrive pas à l'attraper, ce truc. Hop. Voilà. Là, je l'attrape. Oui. Non. Il l'a pas attrapé. Eh là, franchement, si je l'aurais attrapé, il me restait deux trucs de... Là, c'était fini. C'était fini. Là, c'était fini. On avait fini le jeu. Ah là, là j'en étais sûr. Là, j'étais sûr que c'est fini. J'ai tardé pour faire le jetpack. C'est de ma faute. C'est toujours de ma faute. À part quand des fois il y a des problèmes au niveau gameplay. Ça va encore celui-là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à me trouver ça simple en fait. Ouais, c'est pour ça que j'y arrive pas d'ailleurs. Ouais. En fait, j'ai peur d'aller trop loin. Parce que, enfin, voilà, vous savez, si je vais trop loin, je vais être trop près de la spirale. Et en étant trop près de la spirale, je vais pas aller assez loin, je vais pas avoir assez d'élan. Putain, c'est fou, j'y arrive bien, ça m'a même dit non. Du coup, c'est pour ça que... Comme ça, là. Oh oui. Un coup de jetpack, on s'accroche. On s'accroche. Un coup de jetpack, deuxième coup de jetpack. On attrape la clé, et c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Non, c'est bon, je... Only, j'ai réussi ton défi. Et maintenant je suis fou. Ah, c'est génial. J'ai plus de doigts. Voilà, ce que j'avais dit au début de ma première vidéo, c'est que, voilà, corporellement, je suis HS, mais maintenant, mentalement, j'ai plus aucune notion de la réalité. Je suis complètement fou, je sais pas ce qui va se passer après, voilà. On se fait ça en hard mode, là, maintenant, tout de suite, moi, je suis chaud, là. Allez, on va appuyer sur entrée, voilà. J'ai bien envie de faire ça en hard mode, moi. Ah, allez, c'est parti. Alors, ouais, donne, c'est bon. Non, c'est bon, vous y avez pas cru quand même. Hein. Je veux bien être fou, voilà, mais il y a des limites. Il y a un moment où il faut ne pas franchir les limites du raisonnable, voilà. Oh, punaise. Je vais vous dire, j'ai pas mal gueulé dans ces vidéos-là. Mais je suis pas mécontent, en fait, de ce que j'ai pu faire. Voilà. C'est... Vraiment, sincèrement, c'est le genre de choses, en fait, qu'on ressent... Enfin, qu'on ressentait avant. Voilà, quand on terminait un jeu et qu'on avait une putain de satisfaction personnelle. Et qu'on se dit, putain, je l'ai fait, je suis arrivé au bout, ça y est. Et maintenant, avec les jeux actuels, bien sûr, on l'a plus trop parce que... Il y a beaucoup de contenu, c'est long, on nous prend par la main. Je remarque aussi que c'est pas seulement du passage de niveau, même dans les jeux de plateforme. D'ailleurs, tiens, ça c'est pas mal. Enfin, je veux dire, comme dans par exemple Rayman Origins, ou même les Sonic par exemple, ou les Mario, quoique peut-être un peu moins. Et ben, le truc, c'est que c'est des jeux de plateforme.
normalement ça devrait être comme ceci. C'est-à-dire que c'est vraiment des niveaux très hard et on doit mettre, voilà, enfin on doit y mettre toutes ses tripes pour y arriver. Et une fois qu'on a fini le jeu, c'est bon. Or, maintenant, de nos jours, Rayman Origins, Mario, Sonic, c'est des jeux de plateforme, c'est resté plateforme, sauf que la différence, c'est que c'est devenu beaucoup plus simple, mais en plus, ils ont rajouté des trucs à prendre pour améliorer la durée de vie. Parce que oui, forcément, sachant que c'est bien fait, il faut qu'il soit vraiment à jour au niveau des graphismes, bah, ils peuvent pas nous proposer énormément de niveaux avec des graphismes super bons. Donc forcément, il faut qu'ils se rattrapent ailleurs. Et là, ils se rattrapent. Sur les Looms et les Electoons dans Rayman, sur, je sais pas moi, dans Sonic, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, il y a parfois des choses à ramasser, ça dépend des Sonic. Mario, ça peut être des pièces, ou des grandes pièces, ou... Voilà, mais c'est plus, par exemple, on va finir le jeu de plateforme et on va se dire, comme maintenant, quoi. On va pas se dire, on va se relâcher d'un coup, et on va faire, oh là là, je l'ai fait, ça y est. Oh, c'est insurmontable. Mais j'y suis arrivé, ça y est, enfin. Voilà. Je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de mon parcours, je suis fier d'avoir réussi ce challenge, ce défi imposé par Only. Et même si j'ai pu te haïr durant cette vidéo, eh bien, même si je pensais ne pas te le dire au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, je te dis quand même merci. Merci vraiment, parce que ça fait un moment que je n'ai pas ressenti ça pour un jeu, ce que j'ai dit exactement pour les jeux de plateforme, cette espèce de satisfaction personnelle. Et je sais pas, on est tendu tout le long, et on voit la fin, et là, même si c'est pas une fin qui casse tout, même si c'est pas une fin avec des graphismes de dingue, une cinématique de dingue, non, juste revoir l'écran titre, ou même voir le level, le normal mode complete. Mais rien que ça, ça vaut tout, ça vaut absolument tout. Il n'y a rien de plus beau, je trouve, en fait, dans un jeu, c'est de réussir, de finir, et que là, on a une putain de satisfaction, voilà. Et ben rien que pour ça, Only, et ben je te remercie, franchement, merci. Je suis désolé, franchement je suis désolé si je me suis autant énervé dans cette vidéo. Ça a pas dû être toujours marrant pour vous. C'est pas agréable de voir quelqu'un qui gueule tout le temps. Et franchement, sincèrement, je m'en excuse. Je déteste ça. Autant lorsque je suis tout seul, pas de problème, j'aurais pu. Mais là, franchement, voilà, il y a des gens qui m'écoutent. Je veux bien être naturel, mais il y a des limites. Je sais que j'ai pas à me retenir. Après tout, si je suis comme ça, voilà, bon, ok. Ok, mais même, je pense qu'il y a un certain self-control à avoir et de pas trop s'énerver au bout d'un moment. Donc du coup, voilà, pour ça je m'excuse. J'ai essayé quand même, voilà, de me contenir. Et puis voilà, la phase où je suis devenu complètement fou, là, ça allait mieux, en fait. Je veux dire, je suis sûr que je refais le jeu maintenant, c'est bon, ça ira comme sur des roulettes. Bon, je galérerai encore dans certains passages, mais voilà, après, là, le dernier niveau, mais je le faisais facilement. Je veux dire, je me gourais sur des petits trucs, parce que je stressais, ça faisait 3 heures que j'étais dessus, je tremble, je stresse, voilà. Mais voilà, c'est... Je pense que ce sera largement mieux faisable après si je le refais. Par contre, non, il y a un seul truc qui sera plus compliqué, je pense. Ce sera les boss, en fait. Les boss, ils sont horribles. Les boss, mais c'est une calamité. Mais ils auraient même pu mettre le dernier niveau avant le dernier boss. Et le dernier boss en faire la fin, quoi. Parce que c'était horrible. C'était... J'ai passé plus de temps sur le dernier boss que sur le dernier niveau, non? Il me semble, hein. Et puis même le dernier boss, mais c'est vachement moins amusant. Le dernier niveau, je me suis éclaté à le faire. J'ai carrément aimé le faire. J'ai trouvé ça génial. Mais là le boss, non, j'ai pas aimé. C'était chiant, c'était emmerdant. Il y avait certainement une technique, mais... Non, ça m'a pas plu. Non, franchement,
Le jeu m'a plu, mais les boss à la fin, j'ai pas aimé. Voilà. Alors attendez, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans les options, par exemple. Show coins. Ah ouais, ça c'est les pièces, je sais toujours pas à quoi elles ont servi. Si, c'est peut-être. Si. Peut-être pour un score, tout simplement pour un score. Showtime. Il y avait le temps, d'accord, oui, j'aurais pu montrer. Up to jump. Oui, d'accord, ça c'est pour la touche. Robo voice. Ah tiens, si jamais il nous fait chier, on peut l'enlever. Audio, ok. Particule on. Ça, je sais pas ce que c'est. Oh putain, je commence à bailler moi. Alors. Ouais, bon, ça c'est bon, c'est une test, ok. Stats. Ouh, tiens ça. Oh oui, ça va être marrant les stats. Oh, je sais que vous l'attendiez, vous vous demandiez. Est-ce qu'il va nous le montrer? Bah oui, je vais vous le montrer. Oui. Alors, et quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah si, c'est bon. Ah oui, parce qu'il y a le mode hard et le mode normal. Alors, completion. Je l'ai terminé qu'une seule fois. List death. Je suis mort 1020 fois. Plus que ce que je n'ai récupéré de pièces, c'est-à-dire 765. Et Fat Test, c'est quoi ça? Oui, c'est le temps. En combien de temps je l'ai terminé? Attendez, il y a un problème là. Attendez, j'ai commencé à 23h. Là, il est 2h du matin. Logiquement, ça devrait faire 6, 12, 18, 180 minutes. Et là, c'est 113 minutes. Il y a un petit bug, non? Ou alors, c'est pas ça? Fat Test. Fatest, c'est quoi ça? Non mais écoutez, j'en sais rien. Et le score, 8 millions, je sais même pas si c'est beaucoup ou pas. Et on va se quitter sur les crédits, voilà. Mais avant tout, même si je vous en ai déjà dit pas mal, j'ai quand même envie de faire une petite synthèse, voilà. Alors déjà sur le fait que je suis pas un gamer de jeux en flash. Non, clairement, j'en fais pas. J'en fais pratiquement jamais. Et là, ce défi-là, ce challenge m'a permis en fait de voir que les jeux en flash, c'est pas seulement des jeux, des sous-jeux en fait, qui ont été réadaptés de jeux mieux faits, ou alors simplement des petits jeux à petit budget qui sont moches ou qui sont désagréables à jouer au niveau du gameplay, qui ont aucune âme, voilà. Et ben non, en fait, non. Je vois que c'est pas ça, en fait. Il y en a, oui, ils sont comme ça. Mais il faut savoir dénicher les perles rares comme celui-ci. Et je suis bien content qu'il me l'ait passé. Enfin, tu me l'as passé, Onli, parce que... Et d'ailleurs, je pense que je vais te demander un peu tout ce qui existe comme jeu flash et je vais m'en faire et je pourrais vous en faire des tests. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, pouvoir faire des tests de jeux flash, mais ça se tente. Franchement, vraiment ça se tente et ça me ferait plaisir en fait. Ça me ferait plaisir parce que je découvrirais en même temps que vous je sais pas si je ferais des découvertes, ce sera surtout des tests je pense. Mais je découvrirai plein de jeux et de jeux flash et ça me sortira un peu de mon truc habituel. Voilà, parce que pour moi il y avait les jeux habituels, les jeux qu'on a l'habitude d'avoir, qui eux sont vraiment avec des gros budgets et tout. Les jeux ensuite indépendants, qui ont moins de détails, moins profonds, qui ont moins de contenu, mais qui restent très corrects. Et après, il y avait les jeux flash, pour moi c'était des sous-merdes et tout. Mais celui-ci m'a démontré le contraire. Sincèrement, il m'a démontré le contraire. C'est incroyable. Ouais, je suis bien content. Bon voilà, alors sinon que dire sur le jeu de manière globale? Bon, je pense que vous le savez, hein, j'ai dit ce que je pensais autant durant le jeu que maintenant. Voilà, c'est un jeu déjà beau. Franchement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Enfin, beau, je veux dire, ça en jette pas plein la gueule. On n'a pas des décors de gros dingues et tout. Mais je sais pas, il a une patte graphique bien à lui. Même si il y a des couleurs partout, ceux qui peuvent pas supporter ça, ça doit être difficile. Je vais bien l'avouer.
D'ailleurs, même ça peut être complètement gênant et ça peut être même vraiment un défaut d'avoir fait leur jeu comme ça. Hein. Moi, ça me dérange pas parce que ça me gêne pas. Mais pour les jeux, pour les gens à qui ça va pas, enfin les épileptiques, ou... mais dommage, ils peuvent pas du coup. Comment ils font? J'ai la tête qui tourne. Pff, je sais pas si c'est ça justement. Mais voilà, c'est pour ça, au niveau graphisme, moi, personnellement, je vous dis mon avis personnel, ça me gêne pas, au contraire, j'ai même adoré, mais voilà, pour certains, ça peut être difficile. Ensuite, niveau gameplay. Alors, comme je vous disais, j'ai joué au 1, et là, c'était surtout grappin. Là, ils ont mis l'accent sur beaucoup d'autres choses, ils ont mis l'accent sur plus plateforme. Le fait que les tableaux étaient plus étendus et que ce n'était pas que de simples carrés, d'aller d'un bout du carré à l'autre carré, faisait que, par exemple, on naviguait, comme dans le dernier niveau, là au début, de plaque en plaque avec le grappin. Ça, c'est vraiment un truc qui est même jouissif à faire quand on le fait. C'est génial. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'adore, c'est vraiment bon. En plus, je veux dire, au niveau du gameplay, même si parfois ça paraît imprécis, même si parfois il y a de la latence, même si parfois il saute pas, c'est vrai que ça c'est quand même un défaut. Il saute pas au bon moment, ou parfois il se lâche pas au bon moment, mais même malgré ça, c'est extra fluide et ça en devient très très agréable à jouer. Hein. Pour ça, il y a pas de problème. Pour ça, c'est génial. Ensuite, les musiques. Les musiques, j'ai pas fait attention en fait, s'il y en avait beaucoup ou pas, si c'était la même tout le temps. Mais le fait est que, je m'en suis pas lassé. Et ouais. Et ben ça c'est magnifique, parce que même si c'est la même, ou même s'il y en a une qui revenait tout le temps, le fait est que je m'en suis pas lassé. Et ça veut dire qu'elle est très largement écoutable, ou alors c'était parce qu'on est tellement, concentré sur le jeu qu'en fait on n'écoute même pas la musique qu'il y a autour. Voilà. Mais non, mais en plus j'aime bien, c'est robotesque, c'est Daft Punk-esque. Je sais, j'invente des trucs qui n'existent pas, mais c'est des trucs que j'aime bien, j'ai toujours aimé en plus. Dans les chansons, par exemple, les voix digitalisées, ça m'a toujours plu. J'ai toujours aimé ça. J'allais dire kiffé, putain, ça fait kikou lol, c'est un peu quand même. J'ai toujours aimé, et voilà, et là du coup, j'ai aimé aussi, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà. C'est super, sinon qu'est-ce que j'oublie? Bon, après l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Ou une très peu, non. Oh, je l'ai même pas lu. Et enfin, niveau durée de vie, eh ben, il est bien fourni le coco. Hein. Parce que là, je l'ai fait d'une traite. Mais en général, ces genres de jeux, il faut quand même s'arrêter parfois. Parce que franchement, voilà, au bout d'un moment, on n'en peut plus, il faut s'arrêter, recharger les batteries, et après, ça passe toujours mieux. Bon, après, le fait est que, voilà, la durée de vie, c'est 3 heures. 3 heures, hein, vous l'avez vu. Bon, après, j'ai joué un petit peu comme une merde, donc ça peut être moins, tout comme ça peut être plus, si jamais vous avez encore plus de mal. Mais voilà, bon, on va dire la moyenne, c'est 3 heures. Parce que j'en connais, si on connaît le jeu et tout, voilà, on peut aller à 30 minutes. On peut facilement faire 30 minutes de jeu. Voilà. Donc, est-ce que c'est bon? Pour un jeu flash, oui, c'est très bon. Voilà. Pour moi, je trouve ça très bon. Et puis même, on peste souvent maintenant, on fait des jugements sur la durée de vie. Les notes sont données sur la durée de vie. Et bien après y avoir réfléchi, je trouve ça complètement con, en fait. Parce qu'un jeu, voilà, comme celui-ci, on peut très bien s'amuser en 3 heures... Et c'est bon. Bon, après, j'avoue que, oui, la durée de vie peut influer sur sur l'argent, en fait, qu'on y met. C'est vrai que là, le jeu, il dure 3 heures, mais on l'a pas payé. Tandis que un jeu qu'on payera à 70€ et qui dure 3 heures, ça fait mal, en fait. Ouais. Ouais, c'est peut-être juste pour ça, en fait, finalement, qu'on juge sur la durée de vie. Ouais. Mais alors, dans ce cas... Ils devraient adapter leur prix, le prix du jeu, en fonction de leur durée de vie, de la durée de vie du jeu. Mais dans ce cas-là, ça devient compliqué parce qu'après, ils vont pas trop mettre de graphisme. Parce que oui, si jamais ils font un jeu court, du coup, ils vont le mettre moins cher. Mais alors dans ce cas, le graphisme, ils vont pas trop pousser pour éviter que ça leur coûte trop cher, quoi. Voilà. C'est compliqué.
Ça mérite méditation. Eh oui, oui. Mais écoutez, bah, je vais vous laisser méditer là-dessus. Hein ? On en reparlera plus tard dans une autre vidéo. Si vous avez envie de me parler, moi, comme je vous dis, je suis ouvert. Il y a aucun problème. Il n'y a pas de souci. Même j'attends que ça de parler, d'échanger là-dessus. Moi, j'adore ça. Écoutez, c'est ma passion, non ? Et c'est certainement la vôtre si vous regardez cette vidéo, non ? Ben alors. Et puis même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est au moins il y aura des débats, on se mettra d'accord les uns les autres. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas compris, que vous avez compris et que vous, comme ça vous m'ouvrirez les yeux. Ou peut-être c'est le contraire, c'est moi qui vous ouvrirai les yeux sur certains points. Mais ce n'est qu'en discutant qu'on se rendra compte de ça. Voilà. Allez, je crois que j'ai assez blablaté. C'est 2h22 du matin. Je vais aller faire un bon somme. Oh oui, ça va faire du bien. J'ai été un fou de commencer à 23h, mais bon, non, ça va, ça va, ça. Mais là, je commence à avoir les yeux qui se ferment tout seul. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur les crédits. J'espère vraiment que, malgré le fait que parfois, c'était quand même en tension, vous êtes éclaté à regarder ça. J'espère que vous avez aimé ce jeu aussi, parce que franchement, il est très bon et je vous le conseille vraiment. Je vais essayer de mettre le lien du jeu. Dans la vidéo, comme ça vous pourrez directement la voir. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est comme d'habitude. À plus tard pour les prochaines vidéos. Retournez bien à vos occupations. Ciao à tous !